Je suis certain que vous vous posez la question que tout le monde se pose. Qui sont les lutins et que font-ils? Communément, ce sont des créatures de très petite taille, espiègles et facétieuses, vivant dans la forêt. Vêtus de noir pour se fondre dans la nuit et coiffés d'un chapeau pointu. Pointu, tout comme leurs oreilles, d'une acuité remarquable qui leur permet d'écouter The Awakening, le réveil. À la fin de la nuit, ils entendent deux mélodies distinctes qui s'entremêlent et s'entrechoquent. Le duel perpétuel de la nuit contre le jour. Ils écoutent très attentivement pour pouvoir aller se cacher juste avant le lever du soleil. Il faut savoir que les lutins sont actifs la nuit, mais se figent dès que le jour apparaît. Gare à celui qui n'écoute pas attentivement, il sera pétrifié. Thank you.
Certains lutins possèdent des aptitudes particulières et sont sélectionnés pour entrer à l'Académie des lutins. Dans cette école extraordinaire, les élèves apprennent à travailler au sein de l'équipe du Père Noël, dressage de rennes, fabrication de jouets et de grelots, emballage de cadeaux, réception du courrier. Ils étudient aussi les contes, comme le terrifiant Ragnarok. Ouvrez grand vos oreilles pour connaître le destin des dieux.
Les lutins apprennent aussi à jouer de la musique, comme cette mélodie envoûtante. Fermez les yeux et imaginez une lumière chaude et dense, comme de l'or pur, où les anges chantent doucement. Il fallait que je vous présente un petit peu, parce que bienvenue à l'Académie des Lutins. Je vous présente un petit peu les classes de l'orchestre. Tout d'abord, la classe de Mademoiselle Nette, Carinette, Coquinette, Renette, Nonette, Marionnette, Trottinette, Zigounette, et la Boulette. Mais on a aussi la classe des Faunes, juste ici. Donc, le professeur saxophone n'étant pas là, nous avons magnétophone, électrophone, babyphone, criolophone, dictaphone et aphone dans le fond. On a aussi la classe des houilles. Donc là-bas, au fond, vous avez là, c'est les cancres en fait. Vous avez la classe, donc vous avez la classe des houilles, c'est fripouille et magouille. Andouille! Qui a dit ça?
C'est toi, j'en suis sûr. Vous allez voir le directeur. On va se retrouver à la récré avec mon copain, il s'appelle Casque. D'ici quelques jours, pour encourager les nouveaux lutins première année, levez la main, s'il vous plaît. Vous serez envoyés en stage dans tous les foyers, là où il y a des enfants. Une mission de la plus haute importance vous sera confiée. Tenir le Père Noël informé de la conduite des enfants. Allez, c'est parti, on compte sur vous!
C'est l'heure de la récré. Allez, suivez le lutin poche et le lutin tronc. Allez, retrouvez les lutins pâtissiers, gaufrettes et les lutins bières. Faites un bon accueil aux lutins tombola. Alors, est-ce que vous êtes content de l'Académie des lutins? Ça vous plaît? Vous avez appris des choses intéressantes? Vous êtes fait des copains? Est-ce que vous avez été sage? Certain? Ah, je vois le lutin farceur au fond, là-bas. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux me dire à quelle famille d'instruments appartient la flûte? Moi? Oui, mademoiselle flûte... Pas trop cuite. La flûte fait partie de la famille des bois, comme on peut le voir. Oh, n'importe quoi, tu n'es même pas en bois. Moi, je suis un vrai bois. T'as raison, regardez-moi, je suis plus cuivré, je suis un cuivre. Et l'autre, comme il se la pète avec sa trompette. Regardez, je suis cuivré, mais pourtant je suis un bois. Hein, les amis faunes, on a pas de raison. On va demander à notre ami Méga. Ah, mais c'est vrai, il n'est pas là. Il est avec son copain Bigot. On va demander à qui? Ah! Mais c'est vrai, il n'a plus de voix. Demande à Xylo. Fun, pendant qu'on y est. Ah, c'est moi. Oui, je suis bien en bois, mais je fais pas du tout partie de la famille des bois. Je suis une percussion, moi. Je crois qu'il nous reste quand même pas mal de boulot. On va s'y remettre. Et puis, on va réviser tout ça. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Maintenant que l'année est bien avancée, le programme est presque terminé. Voyons un peu les rapports de stage de nos lutins première année. Je crois que vous avez bien observé les enfants et qu'ils ont été bien sages. Ils pourront avoir leur jouet préféré au pied du sapin. J'espère qu'aucun enfant ne vous a vu, car il faut absolument garder la magie de Noël intacte.
Thank you.
l'atelier de l'académie, les élèves entament les dernières révisions avant l'examen final. Lorsqu'ils seront tous diplômés, ils pourront ainsi intégrer la brigade du Père Noël, qui aura bientôt besoin d'un grand nombre de lutins opérationnels. Les lutins ont été reçus à l'examen avec mention. Lutin Scott en chef peut être fier de tous ses élèves. Ils sont enfin tous prêts. Les lutins vont pouvoir souffler un peu avant la grande nuit de Noël. Ils en profiteront pour organiser une soirée lutine pour fêter les examens. Ambiance garantie. Ho 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 ho